Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma façon de faire des fleurs en papier, comme celle-ci. Pour commencer, sortez vos perforatrices de fleurs en forme et taille diverses et variées et faites-vous un petit tas de fleurs blanches. Utilisez deux couleurs différentes de Distress pour colorier un petit peu les fleurs. Ensuite, trempez les fleurs dans de l'eau, frottez-les comme ceci. Et puis laissez-les sécher. Une fois sèches, reprenez votre encre Distress pour leur donner à nouveau un petit peu de couleur. Ici, je vous montre comment je procède pour monter les fleurs. Regardez, avec mon pistolet à colle, je pose une petite goutte de colle au milieu de la fleur et puis je les superpose les unes sur les autres. Je n'appuie pas très fort parce que je ne veux pas trop aplatir les fleurs. J'ai fait deux grosses fleurs en bas, deux moyennes au milieu et une plus petite en haut. Pour finir, je rajoute une perle au milieu de ma fleur, puis je vais la reprendre et la donner un petit peu plus de dimension à la fleur. Maintenant que vous avez vu comment fabriquer les fleurs, regardez ce que j'ai fait avec les miennes. C'est une petite boîte créée pour l'anniversaire de mon ami Dominique. J'ai commencé avec une petite boîte 10 par 10. J'y ai collé un carré de tissu, un peu de ruban et j'ai ajouté un die cut en forme de cœur. Ensuite, j'y ai mis les fleurs, une plume. Là, vous avez les petits rubans froissés qui se sont rajoutés derrière les fleurs. Et puis le tag et d'autres petits embellissements pour compléter la création. Ici, je vous montre plusieurs vues différentes de la boîte, prises d'angles différents, juste pour que vous ayez une vue globale de la chose. Et voilà, maintenant, c'est à vous de jouer. À bientôt!